Yo les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Est-ce que je vous expliquais comment pouvoir paramétrer sa chaîne, tout ça, depuis sa tablette, regarder le nombre de vues, tout ça. Donc je vais vous expliquer plus après. Donc déjà vous allez vous rendre sur l'App Store et vous allez taper YouTube Studio. Donc c'est possible sur Android et iOS. Vous tapez YouTube Studio et vous allez prendre le premier. Vous cliquez dessus, vous l'installez, voilà. Vous vous connectez à votre compte et vous allez atterrir sur cette page où est-ce qu'il y a un endroit en bas à droite écrit vidéo. Où est-ce que c'est les vidéos que vous avez fait ou tout ça. Si vous descendez un peu plus, vous avez les commentaires, les derniers commentaires. Et tout à gauche, si vous regardez, il y a écrit tableau de bord, vidéo, playlist et tout ça. Donc là où il y a écrit YouTube, c'est pour aller sur YouTube. Commentaires, c'est pour regarder les commentaires. Playlist, bah c'est nos playlists. Et vidéos, on a nos vidéos et on peut les paramétrer. Regardez. Mettons, je vais mettre la vidéo trailer saison 1 à 10. Je l'affiche. Là, on peut rien faire. Vous dites, bah ouais, mais ça sert à rien. Tout en haut à droite, il y a un petit crayon. Vous cliquez dessus. Vous pouvez modifier la miniature, le titre, la description, les tags. Et après, on vous amène dans l'onglet paramètres. Vous pouvez mettre catégorie jeux vidéo. Voilà, jeux vidéo, moi, c'est. Autoriser les commentaires. Afficher les avis laissés sur cette vidéo. Option de distribution. Autoriser l'interaction. Activer une limite d'âge. Et vous pouvez supprimer la vidéo directement depuis là. Tout simplement. Sur le tableau de bord, vous pouvez aller sur afficher plus d'éléments. Et là, vous avez tout. Vous avez vos revenus si vous avez pas mal d'abonnés et tout ça. Découvre votre audience. Donc, moi, c'est 100% hommes. Il n'y a que des hommes. Pays. C'est les pays qui auraient pu. Italie, 0,7. Belgique, 0,5. Et Allemagne, 0,4. Donc, c'est des gens qui perdent. Je pense sur tes vidéos. Et puis voilà. Top des langues en sous-titres, 100%. Donc, voilà. Aucun sous-titre, donc 100%. Voilà, voilà. Contenu interactif, je sais pas trop. Playlist, nombre de visionnages des playlists. En entrée. Après, vous avez vue d'ensemble. Ou est-ce qu'à partir de vue d'ensemble, vous pouvez regarder 48 heures, le nombre de vues estimé en 48 heures. Tu cliques dessus, tu peux modifier. Par exemple, en 48 heures, j'ai fait 140 vues. 160 minutes. Il a fait 6 vues en 60 minutes. Voilà. Et puis, ben... Après, on peut encore paramétrer. Par exemple, depuis toujours, 6492 vues. Voilà. Enfin, je sais pas si... On va vérifier, regardez. 6498, on va voir si c'est vraiment pile poil ça. Donc, je vais me rendre sur YouTube. Je vais supprimer ça. On va aller dans à propos. 6095. Donc, il faudra. Je vous déconseille de vous fier parce que ça dit un nombre pas normal. Enfin, genre, ça dit pas le vrai nombre. Durée de visionnage par minute. Si vous cliquez dessus, vous pouvez regarder sur combien de chaînes de jours. Par exemple, ces 28 derniers jours, j'ai fait plus 1718 vues que. Qu'avant, donc plus 273%, donc c'est énorme. Abonnés, plus 20. Voilà, c'est 28 derniers jours, donc un peu moins d'un abonné par jour. Enfin, un abonné par jour à peu près. Durée de visionnage des abonnés, 80. Inconnu, 1,9. Ah non, non abonné, 80%, c'est pour ça. N'oubliez pas de vous abonner, les gars, parce qu'il y a plein de gens qui me regardent et qui sont pas abonnés. Ça regarde. Mention j'aime. Je n'aime pas. Ouais, bah on voit. Hein. J'ai moins de je n'aime pas. C'est bien, je trouve. De moins en moins. Vidéos les plus regardées. Bah du coup, on voit les nombres de vues des vidéos plus regardées. Si on regarde mon top 5. Ouais. Bah 5e, 51, première, 100. 1543. On va aller vérifier.
Je connais déjà la réponse. Vidéos les plus populaires. Et bien sûr que c'est pas 1810. Donc 1810 comparé à 1543, c'est pas pareil. Après, vous allez paramètres. Ou est-ce que vous avez une notification? Vous pouvez mettre les commentaires pour recevoir dès qu'il y a un commentaire. Vous avez la version de l'appli. Notification punch. Vous avez les notifications par rapport à des trucs sur YouTube. Tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On peut laisser un avis, hein. Voilà. Mince. De l'aide si on est perdu, mais bon. C'est normalement, c'est bon, hein. Par exemple, je sais pas moi, modifier des vidéos mises en ligne, activer ou désactiver les annonces sur une vidéo. Voilà. Par exemple, ça vous explique tout. Par exemple, ouvrez l'application, appuyez sur l'icône menu, puis vidéo, sélectionnez vidéo. Voilà, et puis voilà. On va faire leur truc, hein, juste pour vous montrer que, c'est bien sûr, ça modifie, hein. Par exemple, on va modifier cette vidéo. Qu'on la modifie, j'ai cliqué sur le crayon. Par exemple, on va changer un truc dans la description. Tout en bas de la description, on va écrire LOL. Je l'enregistre. Enregistrement des modifications. Normalement, c'est du direct. On devrait l'avoir directement sur la vidéo. Donc, on va aller voir sur ma chaîne. Vidéo. La vidéo trailer. Donc, on va mettre pause. Voilà. On va dans la description. Et vous voyez, lol. C'est du direct. C'est parfait. C'est l'application qui me sert tout le temps. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker et surtout vous abonner, les gars. Et puis, tchouz.